Donc pratiquer, on peut pratiquer en solo ou en groupe. Alors en solo à la maison, en solo à l'extérieur, en groupe dans une association sportive, celle de la commune en particulier, il y en a très nombreuses. On y trouve beaucoup de disciplines sportives encadrées par des gens compétents. Et puis ça peut être aussi dans le secteur marchand. Donc les salles en ville, les salles de fitness qui sont très nombreuses, dans lesquelles on trouve aussi des gens qualifiés pour encadrer votre pratique. Alors après, c'est une question de choix personnel. On peut osciller entre les deux d'ailleurs. Pratiquer à la fois en solo, par exemple aller courir en forêt ou en nature, et puis avoir une activité en salle collective, par exemple, faire des cours de fitness. Hein, voilà, donc c'est au choix et en fonction de l'humeur et de vos prédispositions.